J'en ai vu avec une gastrite, appendicite ou entérite, picote volante, pas que je trouve lente la rigide, ou la piquette des mangeaisons, échauffaison, mal aux rognons, mal aux poumons, des oignons, des corps aux pieds, on de l'incarné, des clous dans le cou, pis mal partout. Si vous avez ça, mes bons amis, ça, ça veut dire que vous êtes mal pris. Si vous avez ça, mes bons amis, ça, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai pas de conseils à vous donner, vous seriez mieux de vous faire soigner. J'ai pas de conseils à vous donner, vous seriez mieux de vous faire soigner. Il y en a d'autres, c'est la digestion qui fait partir à en claquer. Ils sont secs comme des cotons, ou bien ça peut se digérer. J'en ai vu avec eux au cas, à l'estomac, etc. Palpitations, constipations, étourdissements, des empotements, ça va plein de vent, puis en remontant, envie de sortir, pas capable de dormir, bouche empâtée, puis tout crampé. Si vous avez ça, mes bons amis, ça, ça veut dire que vous êtes mal pris. Si vous avez ça, mes bons amis, ça, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai pas de conseil à vous donner, vous seriez mieux de vous faire soigner. J'ai pas de conseil à vous donner, vous seriez mieux de vous faire soigner. Il y en a d'autres qui ont mal à la tête, ça peut dépendre de bien des choses. Ça vaut la peine que l'on s'arrête pour trouver s'il y en a la cause. J'en ai vu même en hiver, pas de chapeau, pas un froid noir, le crâne découvert comme une patinoire, six poils en l'air, en paratonnerre, le bout bien gelé, plat cassé, l'autre bien choqué, se tentant le front, crache et tous et dit star, non, je crois que ça repousse. Si vous avez ça, mes bons amis, ça, ça veut dire que vous êtes mal pris. Si vous avez ça, mes bons amis, ça, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai pas de conseil à vous donner, vous seriez mieux de vous faire soigner. Il y en a d'autres qui ont rien de tout ça, ils vivent heureux et bien contents. On en trouve des mailles, des gras, jamais malade, ça rit tout le temps. J'en ai vu, moi, pour ma part, qui ont vécu jusqu'à leur mort. J'en ai vu d'autres partir bien vite, un accident, une mort subite, une collision, une explosion, être au citron, sucer le goudron, pour ménager, se priver de manger, afin de laisser des héritiers. Si vous avez ça, mes bons amis, ça, ça veut dire que vous êtes mal pris. Si vous avez ça, mes bons amis, ça, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai pas de conseil à vous donner, vous seriez mieux de vous faire soigner. J'ai pas de conseil à vous donner, vous seriez mieux de vous faire soigner. Jean-Paul Bertrand, vous aviez l'air mal pris, mais nous autres, on ne l'était pas. Tant que vous chantez, on n'est pas mal pris. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez donné une gorgée d'eau, ça m'a sauvé la vie. Bravo, on vous remercie, M. Bertrand. Bienvenue. Maintenant, faisons le tour de la table ici. On est tout prêts. J'aimerais vous présenter nos invités. On a les maires ce soir. Il y a M. Aimé Aubry, qui est maire de la ville de Rigaud. M. Aubry. Mme Aubry à ses côtés, bonsoir. Et on a un tout nouveau maire de la municipalité, comment vous l'appelez, votre ville? Sainte-Madeleine-de-Rigaud. Sainte-Madeleine-de-Rigaud, c'est la municipalité de paroisse, M. Guiltor Roy. Bonsoir, M. Roy. C'est un plaisir. Mme la mairesse, bonsoir. Ça doit vous faire curieux un petit peu de vous entendre appeler Mme la mairesse? Oui. Et on a aussi M. le curé à notre côté. Pardon, c'est le père. Oui. Vous n'êtes pas le curé, on reviendra là-dessus tantôt. Oui. Vous êtes le père Raoul Prézeau. Très bien. Ça nous fait plaisir Claire de vous avoir avec Saint-Viateur. Nous. Claire de Saint-Viateur. Oui, on va éclairer tout ça tantôt. Je voudrais d'abord m'adresser au maire de la ville. Si vous voulez nous raconter un petit peu ce qui se passe chez vous. Vous êtes maire depuis combien de temps? Depuis deux ans, exactement. Vous êtes maire depuis deux ans? Oui. Avant ça, j'ai été échevin 19 ans. Oh, mon Dieu Seigneur, que vous avez dû en voir des choses à la table du conseil. Il n'y a pas trop de chicanes, toujours. Ça va assez bien. Ça va assez bien, oui. Bon, et puis vous êtes maire depuis deux ans. Là, c'est vous qui avez pris les rênes de tout ça. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe au conseil? Oh, disons que ça va assez bien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de particulier. Non, rien de particulier. Chez vous, qu'est-ce qu'il y a exactement à Rigaud? C'est particulièrement résidentiel. C'est résidentiel, et puis on a plusieurs maisons religieuses. D'enseignement. Ah bon, c'est ça. Les Clercs Saint-Viateur, oui. Notre-Dame-de-Lourdes. Oui. Qui sont reconnus, d'ailleurs, un petit reconnus peu partout à travers la province. Depuis 100 ans. Depuis 100 ans. Oui. Ah, c'est un secteur éducatif. Éducatif. Chez vous. C'est à ça. Cause des Clercs de Saint-Viateur, qui ont marqué l'histoire de Rigaud. Qui ont fait connaître Rigaud. Oui, justement. Moi, je me souviens, si vous permettez, là, une expérience personnelle que j'ai vécue au moment où j'étais à Ville-Marie, au Témiscamingue, pendant quelques années. Et à ce moment-là, les gens de Ville-Marie envoyaient leurs enfants à Rigaud pour leurs études. C'était un collège renommé. Renommé. Bon. Alors, maintenant, au niveau de l'administration municipale, il n'y a rien de particulier à souligner? Pas absolument rien à souligner. Disons qu'on a des projets un petit peu de résidentiel qui est après ça. Pour continuer à développer votre coin, qui est très beau d'ailleurs. Vous êtes au pied d'une montagne. Oui, au pied de la montagne de Rigaud. Vous êtes sur le bord de l'Outaouais. L'Outaouais. La nature vous a bien... vous traite bien, c'est si ça, l'on veut. C'est ça,
C'est magnifique. Monsieur le maire, on vous remercie d'être venu à notre soirée. Maintenant, on va s'adresser à votre collègue de la municipalité de Paroisse, Monsieur Roy. Vous êtes un nouveau maire depuis à peine quelques temps. Il y a deux semaines, oui. Exactement. Deux semaines. Mais quand l'émission va passer, ça va faire plus longtemps que ça. Oui, dépendant du temps où elle va passer, ça passe. Probablement au mois de février. On est rendu au mois de février ou mars, actuellement. Après trois mois. Bon, c'est ça. Alors, mais on peut quand même parler d'une expérience toute récente. Oui, comme est-ce... Oui, c'est... Est-ce que vous étiez dans le conseil avant ça? Oui, depuis quatre ans auparavant. Quatre ans. Mais qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer à la mairie, monsieur le maire? Ça serait pas mal long. Ça sera long à expliquer? Les gens ont fait des pressions? Oui, si on veut, oui. C'est ça, oui, particulièrement ça. Qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est touristique, votre coin? La paroisse Sainte-Madeleine-de-Rigaud, c'est la plus grande de la région. Puis probablement la plus belle, s'y explique. L'attrait que ça a, c'est les gens de la ville. Et puis, ce qui fait, par voie de conséquence, c'est que... Autrefois, la population de Sainte-Madeleine-de-Rigaud était majoritairement agricole. Et puis, avec l'afflux de la population, maintenant, les gens, les résidents d'autres professions sont devenus majoritaires. Vous, oui, c'est ça. Ça s'explique par la beauté naturelle, les sites, la montagne. On a la montagne, et puis... ce qui fait que c'est un attrait assez particulier pour comme résidence. Oui. Dans les projets, M. le maire, est-ce qu'on peut souligner quelque chose de particulier? Dans les médias, il y a probablement la venue du gouvernement fédéral qui va servir d'une institution qui était autrefois une école normale des Clercs Saint-Viateur. Elle va s'en servir pour une école de recyclage pour ses fonctionnaires. Ah, ça bon? Fait qu'on peut prévoir un afflux de population aussi qui va déborder aussi dans la ville. Alors, Rigaud continue de faire sa marque au domaine de l'éducation. Oui. C'est une réputation. Qu'est-ce que vous voulez? Ça se conserve, une réputation. Il faut que ça se garde. Oui. Vous aimez ça, le rôle de maire? Je peux vous demander ça, là? Ça vient de commencer? C'est encore trop nouveau pour donner une opinion. Oui. Éclairée sur le sujet. Je pense que ça, c'est compensation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille pour l'Hydro-Québec. Je suis opérateur de centrale à Sauveau-Barrage de Carillon. Alors là, vous opérez dans le domaine de l'électricité, mais là, vous allez opérer dans le domaine public. C'est ça. Vous allez vous lancer, vous allez mettre tout le monde au courant. On doit s'arrêter là-dessus, M. le maire. C'est bien dommage. Ça a été extrêmement agréable de rencontrer les maires de Rigaud et de la paroisse. On vous remercie de votre présence. Puis on va continuer avec un petit entretien qu'on aura maintenant avec... Le révérend père Prézeau des Clercs de Saint-Viateur, qui vient ici représenter M. le curé. Comment vous l'appelez, le curé, chez vous? Le père Saint-Denis. C'est un tout aussi... nouveau curé. Oui? Ah bon, qui est aussi un clerc de Saint-Viateur. Oui. Les Clercs de Saint-Viateur sont à Rigaud depuis... Depuis 110 ans. Depuis 110 ans. Alors, on s'occupe du ministère paroissial. Dans le moment, nous avons la paroisse, oui. Oui, puis vous avez aussi la grotte. Oh, c'est le joyau de Rigaud. Je savais qu'il allait dire quelque chose comme ça. Quoi qu'en pensent les maires. Vous en avez été... Vous en avez été le directeur pendant plusieurs années, me dit-on. Oui, une vingtaine d'années. Puis vous êtes resté attaché à cette œuvre-là. C'est une œuvre de pèlerinage. Les gens viennent de partout. Parce que c'est un lieu de pèlerinage qui date de 100 ans. Oui. Mais il s'est produit quelque chose d'un petit peu spécial il y a quelques années. Faudrait que vous nous parliez de ça, mon père, parce qu'on entend parler un petit peu partout, vous savez. Autant Sherbrooke, parce qu'on en vient beaucoup de Sherbrooke. Oui, oui. Je suis surpris de voir que vous ne savez pas ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'est ça, mon problème. Vous avez besoin de la créer. Ben oui, je le comprends, mais il faudrait quand même nous dire de quoi il s'agit. Ben voici, c'est un lieu de pèlerinage, d'abord. C'est un lieu de prière. Oui. Un haut lieu de prière. Oui. À l'occasion du centenaire du sanctuaire, nous avons voulu souligner l'événement par quelque chose de particulier. Alors, il y a quelques années, par exemple en 1936, il y avait eu un jeu choral qu'on appelle dans la montagne, le gémissement vers la colombe. Et en 1938, il y avait eu la défaite d'enfer, qui comportait 600 personnages à la montagne, là, qui chantaient, qui ont donné quelque chose d'extraordinaire. Oui. Faudrait nous parler tout de suite de l'autre projet, là, vous y arrivez. C'est une réalité. C'est pour compenser. On voulait faire la même chose, mais on n'était plus capable. Le bénévolat qu'on a pu sur. Ben oui, je comprends. Oui. Alors, on veut créer quelque chose de particulier. C'est un son et lumière.
quelque chose de particulier, oui, oui. Qui est unique au Canada parce que c'est en permanence. Mm-hmm. Nous l'avons fondé, créé en 1974, et à cette occasion-là, nous avons eu la visite de l'évêque de Lourdes de France, Mgr Donce, qui est venu présider nos fêtes. Et depuis ce temps-là, le son et lumière existent à Rigaud. Et se donne 4 fois par semaine, les mardis, jeudi, vendredi, jeudi, dimanche. Et c'est gratuit. C'est vraiment quelque chose à voir. Faut le voir. Faut on ne peut pas l'expliquer. Faut le voir. Des choses comme ça, ça existe en Europe. C'est ici, non. Ici, seulement chez vous. Oui. Et ça vaut le voyage. Ça vaut plus que le voyage. Oui. Quand on l'a vu une fois, oui. On veut le revoir. On veut le revoir. Puis ça a été fait par des gens du Québec. Du Québec. Tout est québécois. Fantastique. Tout, d'un bout à l'autre, tous ceux qui ont participé à ça. Mon père, je trouve ça extrêmement intéressant. Je ferai, moi aussi, sûrement le voyage jusqu'à Rigaud pour aller découvrir tout ça. Mais je voudrais quand même qu'on prenne un petit instant pour saluer M. le curé de la certainement, paroisse. Certainement, oui, le Père Saint-Denis. Le Père Saint-Denis. Il m'a prié de l'excuser, qui était pris par son ministère. Il vient d'arriver, d'ailleurs, à Rigaud. Ben oui, c'est ça, il y a des choses à découvrir. Alors, puis, il m'a chargé de tout ça. Je ne sais pas si je vais remplir la fonction, mais enfin, ben, écoutez, voulez-vous, vous lui direz un grand merci pour nous parce qu'il ne pouvait pas mieux choisir. Oh là là! On est très heureux. D'autant, mon père, qu'on me dit que vous chantez. Ça alors, arrive. Imaginez donc, dans une veillée comme ça, pour nous, si ça peut être utile. Et agréable, surtout, me dit-on, parce que vous chantez quelque chose d'un petit peu spécial. Comment vous appelez votre chanson, mon père? Parce que là, c'est décidé, vous chantez, hein? On le fait chanter. Alors, veut pas, il faut que tu chantes. Une chanson sur le chômage. Vous êtes rendu sur le chômage? Ben, pas moi. Pas vous. On y va. Contez-nous l'histoire du chômage. Depuis quelque temps, dans le pays, on entend par-ci, par-là, des chants, des clameurs, des cris, bousculades et brouhahas. L'on entend dire du pain, l'on entend crier j'ai faim. Ce n'est plus que rafle-quête, on ne sait plus où se mettre la tête. Le public porte harassé, c'est pas sur quel pied danser. Les auteurs de tous ces bruits, des gens qui gueulent jour et nuit. L'ouvrage, l'ouvrage, c'est un plaisir et un soutien. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pour pas qu'on crève comme des chiens, l'ouvrage. Deux époux en lune de miel demandèrent comme un accord un bébé venu du ciel en récompense de leurs efforts. Mais le petit, en voyant le jour, se mit à crier comme un sourd. Pouvoir-moi vite à l'œuvre, c'est pas le temps de faire la grève. J'arrive pour vous faire plaisir, dépêchez-vous de tout sortir. Cuvette, cuvette, zibabette, sirop d'anis, castoria, d'huile d'olive, etc. Inutile pour le moment.